Allô tout le monde, c'est Myriam, j'espère que ça va bien. C'est ma première vidéo c'est pas la première vidéo, mais c'est la première fois que je porte ma bague de fiançailles. Ouh, que de l'envers. Fait que c'est ça, c'est ma première vidéo officiellement que je porte ma bague de fiançailles parce que les deux dernières vidéos, en fait, j'étais fiancée. Mais j'avais retiré ma bague. Fait que c'est ça. Attendez, je vais vous zoomer ça. Fait que je me suis dit que je pourrais vous montrer la bague et vous parler en même temps, faire un petit chit-chat ensemble, puis qu'on pourrait se faire des... En fait, je voulais essayer une recette de muffins. Fait que let's go, on y va ensemble. Fait que j'ai donné la chance aux exclusifs de me poser des questions en lien avec mes fiançailles. Fait que je vais aller tout de suite les ouvrir. Puis, ben c'est ça. Fait que, puis en même temps, on va faire une petite recette de muffins pour ce soir parce que j'ai du temps. On va en profiter. Là, c'est où, mais... Bon, je trouve pas dans mon iPad. Fait que, on va aller directement sur YouTube. Ça, c'est pas moi. Changer de compte. J'étais pas prête. Classique, c'est Myriam. C'est Myriam. That's me. Non, c'est pas là, faut que j'aille. Faut que j'aille dans le studio. Ah, il est là. Ah, voilà. Mamie. Mamie. Ah, trouvé. Ok, parfait. Fait que j'ai eu trois questions des exclusifs. Donc, la première, c'est une story time de leur demande. Puis, slash, l'autre, j'ai comment Will a fait la demande. Puis après ça, on va passer à... Puis, j'ai aussi, je veux tout savoir sur le processus et comment Will a fait sa demande. Puis, une autre petite question, je vais pouvoir répondre après. Fait que la recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est 5 ingrédients, 15 minutes. Ça s'appelle des muffins à la confiture. Puis dans le fond, c'est parce que Will m'a demandé des muffins à la framboise. Puis j'ai pas de framboise fraîche ni congelée. Mais je me suis rappelé que j'aime beaucoup cette confiture-là de Bonne Maman, qui est de la confiture à la framboise. Fait que on va commencer sans plus attendre avec mon petit mixeur. Puis je vais en même temps partir. Fait que là, il fallait passer le four à 375. Je l'ai mis à 350. Première étape de faite. Deuxième étape, à l'aide d'un batteur électrique, fouetter le sucre et le beurre et les œufs. Puis là, le beurre, il faut une demi-tasse, mais ramolli. Puis là, il n'est pas ramolli, il sort du frigidaire. Fait que commençons la story time. Tout ça, je vais vous y aller. Puis après ça, on va faire un retour dans le temps. Vous allez comprendre. Fait que le 10... mon Dieu. Le 21 décembre 2023, donc qui a eu lieu il y a maintenant 2-3 semaines, Will m'a invité en fait à aller fêter nos 10 ans de couple. Fait que dans le fond, nous, notre date de couple, c'est vraiment le 21 décembre 2013. Parce que c'est vraiment cette date-là que dans le fond, Will me dit qu'il m'aimait. Puis qu'on avait un petit party chez nous. Puis il m'a demandé d'être officiellement sa blonde. Fait que tu sais, c'est vraiment comme une vraie date qui est facile à retenir. Pour le beurre, on va juste le faire ramoller dans le micro-ondes. Oh, c'est pas assez grand. Bon, mais pour aller ramollir, je vais juste le ramollir 30 secondes au micro-ondes. Ensuite, le sucre et les œufs. Fait qu'il faut 2 œufs. Donc là, c'est ça. Will m'invite à aller fêter nos 10 ans dans un restaurant qui est comme un beau restaurant qui faisait vraiment longtemps que je voulais essayer, qui s'appelle La Marine Marchande. Et là,
checkez-moi bien, c'est où la ville? C'est à Saint-Anislas de Kostka. C'est 4 mots. C'est proche de... C'est en Valleyfield puis Saint-Anicette pour ceux qui viennent de la région. Puis la marine marchande, ça fait 3-4 ans que je voulais y aller déjà, je pense. Non, 2-3 ans. Ouais, 2-3 ans que je voulais y aller. Puis juste, bon, on prenait jamais le temps parce que c'est au moins une demi-heure de route d'ici, mais comme à une demi-heure de route comme dans les champs, pas comme vers la ville. Fait que c'est pas nécessairement là qu'on allait. Ah, il est ramolli. Il fallait pas qu'il soit fondu, il fallait qu'il soit ramolli. Parfait. Puis il fallait aussi le sucre que je mette avec. Combien de sucre? Une tasse de sucre. Fait que oui, le réservé, là, le 21 décembre, on s'en va au restaurant. C'était excellent, j'ai adoré ce restaurant-là. j'ai pas de contenu à vous montrer sur mon souper. Fait que, grosso modo, on a pris une entrée de... Oh mon dieu, je me souviens pas c'était quoi l'entrée. C'est quoi l'entrée, mon amour? Tu te souviens-tu? C'est quelque chose au homard. Ou au crabe des neiges. Ah, oh, c'est des crab cakes! Ouais, c'est ça. C'était full bon. Puis j'ai pris un Cosmo en entrée. Là. J'ai pris un petit verre. Puis j'ai pris un Cosmo, vous savez, mon amour, pour les cosmopolitains. Mais là, c'est un Cosmo au cassis. Fait que dans le fond, au lieu de mettre du triple sec, ils ont mis vodka, jus de canneberge blanc, puis liqueur de cassis. C'était tellement bon. Je vais juste mettre ça, on va le faire battre. Avec ça. Oui, on va le battre. On va battre les muffins. Fait que c'est ça. Je vais juste rapprocher pour la voix, là. Fait que c'est ça. Fait que là, moi j'ai pris un Cosmo au cassis. Oui, il a pris un. Je pense qu'il avait pris un amaretto sour ou un whisky sour. C'était super whisky sour. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dans un bol, mélanger la farine, la poudre d'apport. Ok, parfait. Farine, c'est une tasse et demie. Fait qu'après ça, en plat principal, moi j'ai pris un... Oh, c'est... Hey, c'est rare, je prends ça. J'ai pris un jarret de veau avec sa croûte en parmesan, avec des légumes du moment, puis une purée de pommes de terre. C'était tellement bon. Puis Will, il a pris... je pense qu'il a pris du poisson doré avec des frites. C'est comme un fish and chip qu'il a pris. Puis, c'était notre anniversaire, fait que je voulais absolument un dessert. Fait que j'ai pris un brownies au Kit Kat avec... oh, puis j'avais pris un autre verre de vin, là. Je ne sais pas du vin que j'ai pris. Une tasse et demie, puis 2 cuillères à thé de poudre à passe. C'est ça. Fait que là, vient William, il était pas bien bavard, je vous dirais, cette soirée-là. J'avais plus l'impression de parler dans le bar, puis je comprenais pas vraiment comme qu'est-ce qu'il y avait là. Je pensais juste qu'il y avait eu une grosse journée. Puis il y a eu une grosse journée, fait que dans ma tête, c'était juste ça. Puis là, vient le temps des cadeaux. Puis là, moi, Will, il dit, ben, offre ton cadeau en premier. Fait que j'y vais. Moi, j'avais fait ce que vous avez vu, là, les belles boules de Noël avec le verre à shooter. Will a trouvé ça bien drôle parce que quand il a vu le verre à shooter, il était comme « Oh my God, c'est genre le plus beau verre à shooter. C'est exactement le même qu'à maison. Je l'aime full. » Puis là, je suis comme « Ha ha ha, c'est le même. » Fait que ça, c'était bien comique. Puis l'autre gros cadeau que je donnais, c'est dans le fond, on va aller au Regard de Valleyfield. Fait que je nous ai juste comme payé une activité comme d'avance pour nos 10 ans. Parce que ça fait plusieurs, 2-3 années qu'on veut aller au Regard de Valleyfield. Mais ça tombe tout le temps en même temps que le Comic-Con de Montréal. Puis on aime plus le Comic-Con de Montréal que les Regards de Valleyfield.
mais on aimerait ça au Regard. Fait que cette année, je me suis renseignée, c'est pas la même fin de semaine. Fait qu'on va pouvoir y aller. Fait que dans le fond, j'ai offert une activité à Will puis à moi. Mais dans le fond, j'aime ça à notre anniversaire de couple, de nous offrir un cadeau commun. Parce que dans ma tête, c'est un cadeau comme... C'est pas comme, mettons, sa fête ou que c'est juste sa fête à lui. Là, c'était comme vraiment notre fête. On pourrait incorporer les ingrédients secs au premier mélange en alternant avec le lait. Le lait, il faut combien de lait? Il faut un quart de tasse de lait. D'accord. Fait que là, attends, les ingrédients secs au premier mélange. Fait que je mets un peu de lait. Attendez. On s'en va là. Un peu de lait. Et encore un peu de poudre. Ensuite, beurrer les alvéoles d'un moule à muffins ou y déposer des moules en papier, répartir la moitié de la pâte. Hey! Fait que c'est ça. Fait que ensuite, après mon super cadeau, Will me donne le mien. Puis là, il avait l'air stressé puis tout. Là, ça avait l'air de comme semi-marcher. Fait que là, au début, il me le donne, ensuite, il me l'enlève des... Comme, finalement, il me le donne plus, là, je suis plus sûre de comprendre ce qui se passe. Puis là, il est comme, c'est un cadeau, en deux parties. Fait que là, la première partie, ça semblait être... juste avant de partir, il m'avait demandé une enveloppe, genre, que tu pouvais mettre des papiers dedans. Fait que j'y donne. Fait que rendu au restaurant, il y avait un beau petit sac cadeau. Fun fact, on avait le même... Oups, je suis même pas à mon sens. Fun fact, on avait le même sac cadeau. Fait que c'était bien, bien drôle. À part que, dans le fond, moi, j'avais mis un papier bleu, puis lui avait mis du papier rose dans l'emballage. Fait que c'est ça. Fait que là, il ouvre une lettre. Fait que là, je suis comme, ah, OK. Fait que, à ce que je comprends, c'est une lettre d'amour. Fait qu'il commence, il lit la lettre. C'est vraiment une belle lettre d'amour que, dans le fond, elle explique nos 10 dernières années de couple, puis comment, genre... T'sais, il me demande vraiment qui m'aime pis tout. Pis, of course, vous savez, comme je suis sentimentale. Fait que je commence à pleurer. Pis, c'était drôle parce que Will... Ben, c'était pas drôle. C'est cute parce que Will, il avait spécifié, quand il a fait la réservation, qu'il voulait une table à part. Fait qu'on avait vraiment comme une table comme dans le coin, là. T'sais, pas dans le passage. T'sais, on était vraiment dans le coin du restaurant pour avoir comme semi plus d'intimité que les autres tables, mettons. Fait que j'étais comme contre le mur, puis contre le mur, il y avait une vraiment belle map du monde. Puis quand Will a commencé à me lire sa lettre d'amour, je vais juste aller chercher mon amofine, moi.
Fait que quand il a commencé à me lire sa lettre d'amour, j'ai commencé à comme tout de suite regarder plus vers le mur pour être comme plus privée. Puis parce que je savais que j'allais pleurer, fait que ça me tentait pas nécessairement de pleurer devant tout le monde qui était à ma droite. J'ai des moules à muffins. Ils sont où? Hey! Où ils sont, mes moules à muffins? Ah, ils sont là. J'ai des moules à muffins en silicone là, que tu peux acheter chez Amazon. Fait que c'est ça. Fait que là, il me lit sa lettre d'amour, c'est vraiment beau. Fait que là, moi, je regarde la carte du monde entier. Parce que, en fait, moi, j'étais plus comme visée vers l'Amérique du Sud. Fait que je check l'Amérique du Sud. Ah, j'en ai juste 12. Ça fait combien de muffins, mon affaire? Ah! Ça en fait combien? Ah, oh, ça en fait 12. Ah, je suis parfaite. Je suis correcte. Bon, ben, j'aurais pas besoin d'elle, finalement. Bon, ça, puis il me faut deux cartes. Là, il faut que je dépose la moitié, puis après ça, je mets de la confiture, puis après ça, je couvre avec d'autres pâtes. Fait que, on y va. Puis c'est ça. Fait que là, à la fin de... dans le fond, la lettre à Will, elle faisait 2 pages. C'était vraiment super beau, super touchant. Moi, je pensais vraiment à ce stade-là que c'était vraiment ça le cadeau. C'était dans le fond, il voulait juste me... C'est vraiment un super cadeau. Si c'était juste ça, j'aurais été autant contente, pour être honnête. Je trouvais ça juste comme ça le beau qui m'offre une lettre d'amour, ses sentiments. Tu sais, comme Will, c'est pas nécessairement le plus grand sentimental au monde. Fait que juste comme qui dans un... dans une place publique, qui m'avoue ses sentiments, pour moi c'était déjà comme vraiment un beau cadeau qu'il m'offrait. Puis dans le fond, à la fin, je me souviens pas exactement là, mais à la fin, dans le fond, des deux lettres, il dit une phrase comme « Dans la dernière semaine, j'ai pas été très présent avec toi, mais il y avait une explication. Toutes les années où que tu m'en as parlé, je retire comme quelque chose comme genre je retire ta dette là. Parce que je sais pas si je vous ai déjà compté le running gag, mais genre Will, à chaque fois que j'y parlais de mariage, il me rajoutait comme un an avant de me demander en mariage. Peut-être pour ça que ça fait 10 ans, mais je vous jure que j'ai parlé plus que 10 fois du mariage. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, même à peu près là, j'ai peut-être comme j'ai commencé à comme comprendre, mais comme je vous dis, j'étais vraiment comme dans ma bulle, avec, tu sais, comme je trouvais ça vraiment beau, comme toute la lettre puis tout. Puis j'ai vraiment compris quand il a juste comme commencé à c'est ça, à la dernière phrase qu'il me dit, c'est en fait tout ça c'est pour te demander ceci. Puis au mot « ceci », je le vois genre « struggle » dans ses poches, sûrement parce qu'il était, quelque chose était comme pogné dans sa poche de pantalon. Il se lève, il réussit à retirer un écrin, et c'est à ce moment-là qu'il se met à genoux devant moi, en plein milieu du restaurant, et qu'il me demande si... En fait, il ouvre l'écrin, en me demandant si en fait je veux l'épouser. Et fun fact, l'écran est à l'envers. Fait que, mais moi, genre, je vous jure, là, la seule chose que j'ai vue, là, c'est les yeux bleus de mon amoureux, plein d'amour pour moi. Puis déjà là, je braillais déjà ma vie parce que la lettre était tellement belle. J'étais juste déjà contente. Puis là, le voir se mettre à genoux pour la première fois de ma vie, hey, ça m'a comme achevé mes larmes, j'étais plus capable. Mais en même temps, je voulais tellement comme le voir pour vivre ce moment-là. Fait que j'ai séché mes larmes assez vite. Puis c'est ça, comme je vous dis, je le regardais. Puis comme quand j'ai regardé comme la bague pour pouvoir la mettre, ben l'écran était à l'envers. Fait que j'ai juste comme reviré de bord la bague pour la voir comme il faut. Puis ça, pour être honnête, là, moi je disais oui. Moi, je disais oui à Will. Je disais oui à Will, je disais oui à mon amoureux, je disais oui à l'amour que j'ai pour lui.
Genre, je me foutais bien raide de qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir l'air, ce bague-là. Je savais que c'était une bague qui était remplie d'amour. Elle aurait pu être un ring pop, genre une bague en bonbons, j'y aurais dit oui. Finalement, c'est pas une bague en bonbons, c'est une bague en... Es-tu en or blanc, mon amour? J'ai une bague en or blanc avec des diamants canadiens qui est exactement comme mon chéri voulait me l'acheter. Elle est juste parfaite parce qu'elle représente notre amour à nous. Fait que c'est ça. Fait que je revire la bague de bord, puis je présente ma main gauche à Will. Puis là, sur le coup, je me souviens juste qu'il me dit quelque chose comme « C'est-tu la gauche? » Puis j'ai dit « Oui, c'est la gauche. » Fait qu'il m'a mis la bague. On s'est frenché en plein milieu du restaurant. Puis, ouais. Fait que c'est ça. Ensuite, c'était cute parce que c'est ça, comme je disais, on était en plein milieu d'un petit restaurant. Il devait peut-être avoir une, deux, trois, quatre, cinq tables autour de nous. On était comme six tables. C'était quand même assez privé. Il y avait un party de Nell l'autre bord, mais j'étais vraiment dans ma bulle que je les entendais pas. Fait que les six tables ont commencé, c'était cute là, à juste applaudir de même. Genre vraiment tout silencieux. Puis j'ai entendu, tu sais, comme on entendait des murmures, là. Genre, oh my god, c'est la première fois que j'assiste à une demande en mariage. Ou j'ai vu une femme faire comme, retiens qu'est-ce qui vient de se passer. Dans le fond, elle dit à son mari qu'elle aussi voulait une bague, j'imagine. Là. C'était tellement beau, cute. Puis juste après ça, les serveurs sont venus. Fait que Charlotte à la Marine Marchande, vraiment un beau service. Sont venus nous apporter un shooter de je sais pas quoi. Fait que notre serveuse, avec d'autres personnes, sont venus nous féliciter pour ce moment-là. Puis ils nous ont apporté un shooter, puis tout. Vraiment beau service qu'on a eu. Puis c'est ça. Puis après ça, ben moi, j'étais sur mon nuage, sur mon conte de fées. Moi, je suis sortie avec un fiancé du restaurant. J'étais contente au bout. Puis là, je catchais un petit peu pourquoi mon chum m'avait pas beaucoup parlé dans la soirée ni dans la journée. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la demande en mariage. Fait que y a pas de photos, y a pas de vidéos. C'est à l'image de mon chum. Mon chum, vous le voyez pas si souvent, t'sais, vous pensez peut-être voir Will souvent, mais pas tant que ça, en tout cas pas comparé à moi. Il l'a fait à son image, comme qu'il voulait, c'était sa demande à lui. Il a choisi personnellement comme la façon que ça allait se passer, fait que c'est tout à son honneur. Puis sincèrement, j'ai gravé ce moment-là, je vais le chérir à jamais. Je l'ai dans ma tête, gravé. Il n'y a personne d'autre que moi puis lui qui va pouvoir s'en souvenir. Puis pour être honnête, c'est bien correct comme ça. Je pense que j'expose tellement ma vie sur les réseaux sociaux que garder ce petit moment-là pour moi, je pense que c'est autant bien. Chacun fait sa demande comme il veut. Moi, dans ma tête, c'est vraiment comme... C'est la personne qui fait la demande en mariage, c'est comme la personne qui choisit, là, dans ma tête. Là. C'est si j'aurais voulu... Si je voulais le demander à William, je l'aurais fait. Mais dans mon petit cœur, à moi, c'était vraiment... Je voulais que ça vienne de lui. Fait que c'est ça. Fait que sinon, mais si je peux vous dire, après ça, on peut y aller à reculons. Fait que comment Will a pris la décision? Il me dit que... Il y a trois mois, mon amour. Genre au mois de septembre, en revenant de Cuba. Non, avant Cuba. Will s'en allait me demander... Il voulait me demander déjà en mariage, comme c'était déjà planifié. Mais c'est parce que... Avant de choisir qu'on allait à Cuba, on était supposé aller à Banff. Puis, virement de situation, j'ai comme surpris ben Red William en lui disant que je voulais full aller avec ma mère puis ma famille à Cuba parce que c'était comme la dernière fois qu'on pourrait comme voyager comme une des rares. Ben, en fait, on avait l'opportunité. Je vais aller mettre les muffins au four pour... c'est 20 à 25, fait qu'on va mettre 23 minutes.
cette vidéo va être longue, c'est pas grave. Je vais vous mettre ici. Fait que c'est ça. Fait que Will, il y avait déjà l'idée de me demander en mariage, mais je l'ai surpris en allant à Cuba. Puis c'est pas là qu'il voulait. C'est pas comme ça qu'il voulait faire sa demande. Fait que il voulait vraiment comme la faire en privé, juste moi puis lui, parce que dans le fond, c'est juste moi puis lui dans notre couple. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que une semaine avant, le 21 décembre, en fait le dimanche, c'était comme un jeudi. Le dimanche d'avant, Will a été demander ma main à ma mère et mon deuxième papa, qui est mon beau-père. Fait que vous savez la relation que j'ai avec ma mère qui est très 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 forte parce que ma mère a toujours été la personne la plus proche de moi depuis qu'elle s'est séparée de mon père. Puis suite à ça, ben, elle m'a fait découvrir mon deuxième papa qui m'a élevée de mes 6 ans à jusqu'à temps que, ben, encore aujourd'hui. Fait que c'est ça, il a été demandé ma main à ma mère et mon beau-père. Puis, il a été parler à ses parents pour dire qu'il allait me fiancer. Fait que le dimanche après-midi, moi, je l'avais pas bien vu. Puis, je pensais qu'en fait, il allait magasiner mes cadeaux de Noël. Fait que effectivement, c'est un cadeau de Noël, mais d'avance. J'ai eu d'autres cadeaux de Noël, mais ça en était un gros. Fait que c'est ça. Puis, ben, toute la semaine, je m'en suis pas doutée parce qu'il y avait pas la bague. Le fait, au début, c'était une 6,5, puis le fait agrandir en 7,5. En fait, Will savait ma grandeur de bague parce que j'avais demandé, j'ai des bagues là-bas, puis je les avais demandé, ils sont en or, puis j'en avais demandé un kit en argent. Fait que Will savait à peu près mon annuaire de la main droite, c'était quelle grandeur. Les deux mains, pour ceux qui se demandent, c'est pas du tout la même grandeur. Fait que c'est une. J'ai une 7,5. Puis, je sais pas s'il me faudrait une 7, mais j'ai peur que 7, ça soit vraiment trop serré. Fait que pour l'instant, je suis encore en adaptation parce que ma bague, c'est ça. C'est une bague qui a comme un don, ben comme qui fait un pic, là, parce que le diamant est comme surélevé. Fait que je suis encore en adaptation parce que moi, je dors comme ça. Fait que là, ben, c'est nécessairement, ça fait un petit pic. Aussi, elle tourne. C'est normal qu'elle tourne parce que ma mère, qui est ancienne joaillière, bijoutière, m'expliquait qu'une bague qui est de ce côté-là de ta main, si c'est quand même assez fin, comme en ce moment, là, c'est comme assez fin, c'est sûr que ça tourne. Tandis que, mettons, ma mère, qui a fait sa propre bague de mariage, en dessous, c'est deux largeurs comparées en avant, puis ça fait que sa bague à elle ne tourne presque pas. Fait que c'est vraiment un truc. Par contre, je vais recevoir sûrement une bague de mariage, quand dans le fond c'est du jaune de mariage, qui va être comme un jaune comme celle-là, là. Comme celle-là, puis qui va pouvoir se mettre. Attendez. Ben, en fait, c'est une des deux que je veux, là. Je veux soit comme un jaune simple, fait que dans le fond ça va ressembler à ça, mais pas en or, là, en or blanc. Puis ou sinon ça va être l'autre qui est comme. Tout en diamant, ben en faux diamant. On verra à ce moment-là c'est quoi le qu'on a comme budget. Là. Puis, ben dans le fond, ça va pouvoir. En ayant deux bagues, un jaune de mariage puis une bague de fiançailles, souvent ça permet que ça tourne pas trop. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il a été demandé ma main, il a averti ses parents. Ma bague vient de la bijouterie La Forge d'Or à l'île Perrault, puis je les recommande full. Puis, on a nous-mêmes, et en fait, c'est moi-même que j'ai été acheter le jour de mariage de Will parce que on se marie pas avant 2 ans. Fait que moi, je voulais que mon petit fiancé ait aussi sa bague tout de suite. Je n'allais pas du tout attendre à lui donner au mariage. Fait que j'ai été l'acheter. C'est moi qui, ben, avec lui, parce que je savais pas c'était quoi sa grandeur de bague. Fait que j'ai été l'acheter, je l'ai choisi. Mon petit fiancé. Et dans le livre, mon amour. Dans le livre de cuisine. Dans la première page. Ben, pas la première page, mais sur le dessus. Oui, ça. Sur le dessus. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été acheter son jonc de mariage d'avance. Il va le recevoir dès que la Forge d'Or m'appelle. Je recommande
100% cette bijouterie-là. J'ai une super belle bague, service exceptionnel. Ils l'ont livré en 4 jours parce que Will les a pressés au bout. Parce que le dimanche, j'ai dit qu'il me fiançait le jeudi, fait que c'était un rush. Il a fait rusher tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Puis c'est ça, fait que c'est une excellente histoire, avec ça inclut vraiment beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens étaient dans le secret. Moi, je m'y attendais pas du tout. Puis, une dernière question, qui est en fait c'est plus au niveau des exclusifs, là, mais je vais la répondre à Clark. Cet été, on avait une petite bisbille, mais chicane, moi puis Will, parce que je voulais vraiment savoir s'il allait me fiancer bientôt. Puis à ce moment-là, quand j'ai eu la chicane avec lui, fait que si jamais vous voulez avoir la story time complet, c'est dans les exclusifs que ça se passe, ou que 50 vidéos de plus à voir pour le coût de 2,99 par mois. Fait que si tu payes 3$, t'as 50 vidéos de plus. Puis t'as un mois pour les voir, ou sinon tu payes à chaque mois puis t'as plus de temps. Puis moi, je continue à en sortir. Fait que c'est ça. Lors de notre chicane, Will pensait déjà à me fiancer. Fait que moi qui ai pété une coche pour... Parce que je voulais savoir si un jour on allait se marier. Mais lui, il savait déjà qu'il voulait marier, genre qu'il me fiançait bientôt. Fait que c'est ça. Fait que pour répondre vite vite aux questions que j'imagine, on se marie pas tout de suite. On se marie sûrement dans 2 ans, genre 2026 à peu près. Je n'ai aucune date de mariage, je n'ai rien pensé, rien planifié. Je suis juste fiancée et j'enjoy la situation. Je suis juste heureuse, je suis juste contente. Fait que même si vous me parlez de n'importe quelle question, j'ai aucune réponse à vous donner à part que je suis contente. Je suis fiancée à mon amour de jeunesse, à l'homme de ma vie. Je suis juste très, 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 très heureuse. Je suis une petite fiancée, je capote. Puis c'est ça, fait que tranquillement, pas vite, on va commencer. Dans deux trois semaines, on va commencer déjà aller au salon, les salons de mariée, là. Vu qu'on nous, c'est dans, pas tout de suite qu'on se marie, fait que j'ai du temps d'aller regarder aux alentours qu'est-ce qui se fait dans le milieu. Puis c'est ça, fait que j'ai aucune idée, j'ai aucune espèce d'idée à quoi va l'air mon mariage. Je sais même pas si je veux, en fait je pensais peut-être faire un party de fiançailles vu que je me marie pas cette année, mais c'est encore à suivre. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Merci, ma petite story time pour mes fiançailles. Puis, ben, si vous voulez la recette des muffins, il reste encore 16 minutes, fait qu'ils sont pas encore prêts. Si vous voulez la recette des muffins, c'est le site web 5 ingrédients, 15 minutes, et elle s'appelle Muffin à la confiture. Puis tu peux faire, moi j'ai pris confiture de framboise, mais tu pourrais faire confiture de ce que tu veux, genre bleuet ou fraise ou peu importe. Ou un mix de tout ça. Fait que sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Puis dans le fond, les vlogs vont reprendre parce que ça paraît pas, mais ça fait 2 semaines que j'ai arrêté les vlogs parce que de un, c'était super difficile pour moi de cacher ma bague. Vous l'avez sûrement vu parce que j'ai mis 2 fois en story sans faire exprès. Puis sinon j'ai pris... On a pris beaucoup comme une semaine. C'est ça, ça m'a pris une semaine avant l'annoncer aux réseaux sociaux. Je pense que je l'ai annoncé le 28 ou le 29 décembre sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, c'était vraiment, comme je dis, on n'a pas de photos, pas de vidéos. Puis je voulais vraiment que ça reste comme un petit peu privé au début. Tu sais, comme tu vous dis, je vous cache pas grand-chose ici. Mais ce petit moment-là, je l'ai gardé une semaine en cachette parce que je voulais vraiment comme le dire à... Pour moi, c'était super important de le dire à mes proches avant que ça soit dit sur les réseaux sociaux. Fait que vu que c'était le temps des fêtes, on voyait vraiment beaucoup de gens vite. Ben en fait, dans cette semaine-là, fait que moi, on a préféré en fait annoncer nos fiançailles de vive voix et en présence au maximum de personnes qu'on a pu. Sinon, on a fait FaceTime presque tout le monde et à la fin, j'ai appelé des gens en fait qui habitaient trop loin.
Fait que on a FaceTime beaucoup de nos amis qui l'ont su. En fait, ma mère le savait déjà, les parents Will le savaient déjà. Le soir même, on a été. Fait que ça aussi, j'ai aucune vidéo, aucune photo des réactions des gens. C'était vraiment comme dans l'intimité, puis dans le privé. C'est des souvenirs que je vais chérir à tout jamais. Fait qu'on a été première soirée, on a été avertir mon beau-frère et ma belle-sœur, le frère à William, qui sont nos voisins d'en haut. Fait qu'on a été cognés, on a été montrer la bague. J'étais super gênée au début. Après ça, le lendemain, on a FaceTime tous nos amis. Le plus possible qu'on a nos amis les plus proches, on les a FaceTime. Ensuite, les parties de Noël sont arrivées. Fait que là, au moment de faire des cheers, en fait, j'annonçais que qu'on était fiancés. Puis, story time assez drôle, qu'on était chez la grand-mère à William, qui habite dans un bloc d'appartement de personnes retraitées. Au moment qu'on a fait un cheers avec du champagne, l'alarme de feu s'est déclenchée. Une fausse alarme de feu s'est déclenchée. Mais ça nous a. On a quand même été obligés de mettre nos manteaux, nos bottes et de sortir de l'appartement pour se réfugier dans la cage d'escalier. Et on avait l'air des pitous de brou avec notre champagne. Puis Will a même amené la bouteille de champagne pour faire des refills. Parce qu'on savait pas combien de temps on allait rester dans la cage d'escalier. Puis on voulait fêter la bonne nouvelle. Fait que c'était un. On va se souvenir très longtemps de l'annonce à nos fiançailles au La Porte. C'était très, très, très drôle de voir toutes les personnes retraitées nous juger, nous trouver pétus de brou parce qu'on était toutes en train de. On était super bien habillées en robe, en talon haut pour notre souper de Noël. Puis avec notre champagne, en tout cas. Sa grand-mère, Will, je pense qu'elle va se faire reconnaître maintenant dans les corridors et dans son bloc appartement. Fait que c'est ça. Puis sinon, j'ai appelé mon père parce qu'il habite loin. J'ai appelé ma mamie aussi parce qu'elle habite loin. Puis c'est ça. Puis sinon, ben c'est ça. Ça ressemble à ça pour nos fiançailles. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. Fait que sur ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est une longue story time, c'est une longue vidéo. Mais c'était vraiment important pour moi de faire comme un chit-chat, sortir, c'est ça, faire comme quelque chose de différent pour l'annonce de mes fiançailles. Puis vu que, c'est ça, comme je dis, j'ai aucune vidéo, aucune photo d'absolument rien, sauf moi puis Will, on a fait un shooting photo dans l'appartement. Puis ce shooting photo-là, c'est fait une semaine après, puis c'était juste pour l'annonce sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que j'ai fait mes petits ongles de fiancée. Fait que c'est, je les ai faites moi-même, puis ça m'a pris, je les ai faites différents. Fait que, c'est ça, j'ai fait mes petits ongles parce que quand Will me fiançait, j'avais mes ongles de Noël rouge pétant puis je trouvais que ça n'allait pas du tout. Fait que c'est ça, fait que merci d'avoir regardé la vidéo puis nous on se voit bientôt dans un prochain vlog. Puis je vous reviens pour vous dire si elle est bonne cette petite recette-là de muffin. Bye tout le monde!